Wesh tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 des jeux gratuits. Donc on commence avec un jeu Android, Live or Die Survival Pro. Donc c'est un jeu où l'apocalypse s'est abattue sur l'humanité. Il y a un virus qui a semé le chaos. Donc c'est une arme biologique qui a massacré des milliards d'êtres humains ou les a transformés en monstruosité. Et on est un des seuls survivants. Donc maintenant c'est chacun pour soi. Il va falloir gérer les ressources pour construire un abri, fabriquer des armes, des armures, etc. Donc vous connaissez, c'est le genre de jeu classique de gestion et de survie en même temps. Donc voilà. On continue avec Apprendre le mandarin HSK 3 Hero. Donc c'est gratuit sur Android. J'ai trouvé ça intéressant d'apprendre le mandarin sous forme de mini-jeu, donc ce sera à vous de voir. Ensuite on continue avec Sly Away Camp, gratuit sur Android aussi. Donc c'est un petit jeu de réflexion marrant. C'est un jeu de puzzle décalé qui rend hommage au film d'horreur des années 80. Donc vous incarnez Face de Crâne, un tueur psychotique cherchant à massacrer des campeurs dans cet hommage comique aux sombres fins d'horreur des années 80. Ensuite sur PC on continue avec Goat of Duty. Donc oui, Goat of Duty, ça existe. Pour ceux qui à l'ancienne ont connu Goat Simulator, c'est très très vieux. Donc profitez, vous pouvez jouer à ce FPS où vous incarnez une chèvre. Oui, je sais, c'est surprenant. Donc vous pouvez profiter de ce jeu jusqu'au 8 décembre, dépêchez-vous. Ensuite pour les abonnés Twitch Amazon Prime, donc vous avez un skin aléatoire permanent offert sur League of Legends. Donc c'est la première fois qu'on a le droit à ce genre de récompense sur LOL. Fini les récompenses TFT, on retourne sur un jeu plus costaud. Donc si vous avez le Twitch Prime, profitez-en. Et enfin on termine avec The Escapist qui sera gratuit donc sur Epic. Donc ça commencera le 12, je vous préviens maintenant, au moins vous êtes au courant, vous n'avez pas d'excuses. Comme chaque semaine, Epic Games nous offre un jeu. Donc là actuellement c'est Jotun, je vous l'avais présenté dans la précédente vidéo. Et le 12 jusqu'au 19, vous aurez The Escapist. Donc c'est le 1, malheureusement c'est pas encore le 2. Mais bon, c'est très bien pour découvrir le jeu et c'est un très bon jeu que je vous conseille. Donc The Escapist, c'est une simulation d'évasion de prison. Donc le but du jeu c'est de s'évader, mais le plus important réside dans l'exécution. Donc il y a des façons de le faire, faut le faire proprement, entre les appels, les repas et les tâches quotidiennes. Donc on peut rendre service aux prisonniers, gagner de l'argent, améliorer les relations entre les prisonniers. On peut faire de la gonflette pour devenir plus fort, améliorer nos compétences. On peut utiliser la plupart de notre temps pour bricoler des armes et des outils. Peu importe votre façon d'aborder le jeu, le plus important c'est de pouvoir s'enfuir. Donc voilà, l'épisode 5 des jeux gratuits est maintenant terminé. Donc je compte vraiment sur vous pour liker, cocher la cloche. Très peu de personnes le font, j'ai très peu de vues. Vous voyez, c'est de plus en plus en baisse alors que je suis de plus en plus actif. Je vous propose de plus en plus de jeux gratuits, donc c'est pas normal. Je compte vraiment sur vous. Un like et un commentaire, ça vous coûte rien du tout. Toi qui regardes cette vidéo, qui commente jamais, mets ton like, commente. Je compte vraiment sur vous, les gars. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je continuerai à en faire, ne vous inquiétez pas. Tous les bons plans vous seront au courant avant tout le monde et vous aurez plein de jeux gratuits. Donc ce sera ma façon de vous remercier pour ceux qui soutiennent la chaîne. Donc je vous dis, prenez soin de vous jusqu'au prochain épisode et à la prochaine.